Bon, eh bien, merci aux courageux qui avaient réussi à contourner le barrage Johnny. Déjà que je ne l'aimais pas beaucoup, mais je dois dire que je l'aime encore moins maintenant. Bon, donc vous connaissez le thème de la conférence d'aujourd'hui. Que j'ai décidé de retraiter, puisque j'avais déjà produit le livre L'armée française face à la destruction de la nation, du fait de l'apparition du livre du général de Villiers, Servir. Et en fait, dans ce livre, je reprenais toutes les étapes de cette destruction par la mainmise progressive de la maçonnerie et des intérêts juifs sur l'appareil de l'État après la Révolution. Et je voudrais énumérer quand même les différentes étapes, l'affaire Dreyfus, entre autres, l'affaire des fiches, l'affaire des inventaires, la loi de séparation de l'Église et de l'État, etc., etc., jusqu'à relativement nos jours, la libération, épuration, etc. Et puis nos chers présidents de la République, qui ont continué le travail jusqu'à un certain Emmanuel Macron. Et j'analysais dans mon livre le comportement, ou tout au moins l'absence de réaction de l'armée face à toutes ces avancées de la Révolution, où l'armée laissait faire. Donc, si je reprends le sujet aujourd'hui, c'est du fait des réactions qui ont émergé avec la décision brutale d'Emmanuel Macron de supprimer 850 millions d'euros du budget de l'armée, déjà largement amputé par tous les présidents de la République précédente, à commencer par Sarkozy lui-même, rappelez-vous son livre blanc sur l'armée. Et il était évident que l'armée, qui n'avait même pas été consultée, en tout cas, le général de Villiers le dit clairement dans ce livre, il n'a pas été, non seulement il n'a pas été consulté sur ces réductions, mais en plus de ça, il pensait que les crédits seraient au moins maintenus à 2% du budget de l'État, qui n'a même pas été le cas. Donc, en fait, on peut considérer que dans la réaction du général de Villiers, à la fois par sa démission et à la fois par son livre, très crûment, je dirais que c'est une réaction de cocu. Il s'est rendu compte que Emmanuel Macron l'avait trompé, puisque quand le général de Villiers avait accepté de remplir comme chef d'état-major, c'était sous condition que le budget de l'armée serait maintenu à 2%. Donc, une fois de plus, on constate que Macron est un menteur. Et alors, comment est-ce que la chose, le conflit, a commencé? Ben, il a commencé justement par cette déception du général de Villiers suite à cette annonce qu'il a appris par les médias de la réduction du budget de l'armée de 850 millions, même ça fait près d'un milliard. Et interrogé par la comité, le comité d'études de la défense nationale, à l'Assemblée nationale, le 13 juillet, il déclare froidement: « Je ne vais pas me laisser baiser comme ça. » Évidemment, ça n'a pas plu à M. Macron, qui, la veille du 14 juillet, déclare, c'était à l'hôtel de Brienne, et chaque année c'est la même chose, juste avant le 14 juillet, il y a une réunion entre le chef de l'État et les principaux chefs de l'armée française, et Macron déclare ceci: Je considère qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique, j'ai pris des engagements, je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir.
Je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Lâchait-il d'une colère contenue? Or, justement, ce sont ses engagements faits au général de Villiers qu'il n'a pas tenu, qui a fait réagir le général de Villiers. Et je voudrais rappeler que les déclarations d'Emmanuel Macron étaient faites au moment où Édouard Philippe, le Premier ministre, annonçait un effort supplémentaire financier pour la construction de nouveaux centres d'accueil de migrants et l'accélération des procédures de leur admission. Pour ça, il y avait de l'argent. Ainsi apparaissaient dès ses débuts à l'Élysée, les priorités du nouvel occupant. Tout pour l'immigration, entre autres, des miettes pour l'armée, montrant quel usage antinational l'homme fabriqué par les Américains et les lobbies entendait faire de l'argent des Français. Et dans une interview fleuve au point du petit Roquet Macron, loin de vouloir apaiser les choses avec l'armée, il déclarait assumer totalement la démission du général de Villiers. Et c'est au point qu'un prédécesseur du général de Villiers, le général Henri Bateja, déclarait au Monde « Recadrer le chef d'état-major devant un parterre de généraux et de subordonnés, c'est l'horreur suprême. On ne doit jamais remettre en cause un chef militaire comme cela. » Et je rappellerai, encore une fois, que le général de Villiers n'avait accepté le prolongement de son mandat comme chef d'état-major que sous la promesse faite par Emmanuel Macron de donner les crédits militaires d'au moins 2%. Et dans la soirée du 14 juillet, le général de Villiers, que l'on avait vu au défilé du 14 juillet figé derrière Macron, on le voit sur le command-car, seulement figé, et publie donc sur Facebook une tribune intitulée « Confiance ». Et s'il ne nommait pas Emmanuel Macron, il semblait bien lui répliquer en disant ceci, « Personne ne mérite d'être aveuglément suivi ». Alors, à ce point de mon exposé, il me semble utile de faire un retour sur la carrière et les attaches d'Emmanuel Macron. Pour ceux civils et militaires qui n'auraient pas encore compris qui est ce personnage. Alors, son appartement maçonnique, vous qui me suivez peu ou prou, savez déjà que nous l'avions ciblé depuis longtemps. Donc, nous savions qui il était. C'était évident par toute une série de symboles qu'il affichait déjà à l'époque. Et la description que nous en avions déjà faite à l'époque, dans la politique notamment, allait être confirmée et amplifiée par le franc-maçon italien Gioele Magaldi et par le juif franc-maçon Serge Moati. Alors, on savait déjà qu'Emmanuel Macron avait été Young Leader de la French American Foundation, donc il était donc un homme des Américains, comme Sarkozy. Si vous lisez mon étude sur Sarkozy, vous changez le mot Sarkozy, vous mettez Emmanuel Macron, c'est la même chose. On savait qu'il avait participé à une réunion du club paramaçonnique des Bilderberg en 2014 et à une tenue blanche fermée du Grand Orient de France. Alors, si le fait d'être invité à une réunion des Bilderberg
ne veut pas dire automatiquement que l'on y est affilié. Par contre, être invité à une séance blanche fermée du Grand Orient signifie la proximité de l'invité avec cette structure maçonnique. Et il ne faut jamais confondre tenue blanche fermée avec tenue blanche ouverte, ce sont les termes maçonniques que j'utilise là, qui ne sont faites, tenue blanche ouverte, qui ne sont faites que pour tâter un homme politique ou un journaliste ou n'importe quoi, un romancier. Jean d'Ormesson, pour voir s'il peut être compatible à un moment donné dans leur démarche. Et voilà pourquoi la confirmation de l'appartenance maçonnique d'Emmanuel Macron par Gioele Magaldi, grand maître initié en 1998 à la loge Hardzion, traduit en italien Montezion, c'est-à-dire le mont Sion, numéro 705, qui est une obédience du Grand Orient d'Italie, prenait toute sa signification. Fondateur du Grand Orient démocratique, scission du Grand Orient d'Italie, il était un spécialiste de l'étude de l'hermétisme et de la cabale juive. Comme c'est curieux. Il avait été initié au 30e degré, chevalier Kadosh du rite écossais ancien accepté en 2005. Il était aussi affilié à la Hurloge Thomas Paine. Thomas Paine, je pense que ça vous dit quelque chose, c'était l'un des trois fondateurs officiels de la maçonnerie en 1717 à Londres. Et c'est dans une interview donnée à la radio italienne Color Radio que Gioele Magaldi confirmait l'appartenance maçonnique du nouveau président de la République française, Emmanuel Macron. Je cite. Emmanuel Macron est dans la parfaite continuité de Hollande. Déjà banquier des Rothschild, il a été consultant puis ministre du même Hollande. De plus, il est le chouchou du franc-maçon Jacques Attali. Macron en personne se vante de son appartenance maçonnique dans l'Hurloge, qui veut dire Superloge, Fraternité Verte, où l'a amené Hollande, et dans la Superloge Atlantis Aletheia. Son mentor Attali, un raffiné franc-maçon, un intellectuel d'envergure, qui a travaillé pour le centre-gauche et a participé à la construction de cette Europe technocratique et oligarchique qui a porté Macron à l'Élysée. Définition parfaite. Voilà donc des informations fort bienvenues pour nous éclairer encore plus sur le personnage Macron et sur les forces qui le soutiennent. Si besoin en était besoin encore. Et de même, le juif et franc-maçon Serge Moati, confirmé à Ouest-France le 8 mai 2017, l'appartenance maçonnique d'Emmanuel Macron. Je cite, « Macron est devenu président en marchant vers la lumière. » C'est là une remarque tout à fait révélatrice, car elle signifie que sans son appartenance maçonnique, Macron n'aurait pas été poussé comme il l'a été à la présidence de la République contre le catholique François Fillon. Incompatible, bien sûr, avec la République maçonnique qui nous guide, comme disait le grand maître Gioele Magaldi, vers la lumière. Revenons sur Macron célébrant sa victoire devant la pyramide du Louvre, symbole maçonnique sur les palais des rois de France, Serge Moati remarquait. C'est un rite initiatique indispensable. Et effectivement, au soir de sa victoire, Emmanuel Macron déclarait devant ses fans au son de l'hymne de la joie du franc-maçon Ludwig von Beethoven.
en saluant la foule, le salut à l'ordre maçonnique. Je cite, « Ce soir, c'est l'Europe, le monde qui nous regarde. Ils attendent que nous défendions les Lumières. » Si ce n'est pas significatif, je ne sais pas ce qu'il faut donner comme autre référence. Tel était donc le remerciement du franc-maçon Macron à ceux qui l'avaient porté au pouvoir. Et sa promesse de continuer dans la voie des Lumières, c'est ce que nous constatons jour après jour. D'où, sur le plan matériel, le bradage aux intérêts étrangers de notre patrimoine industriel et de nos territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, vous savez qu'il va y avoir un référendum sur l'indépendance. Ces promesses de modification de la Constitution en ce qui concerne la Guyane et son approbation à la ligne indépendantiste de la Corse. Et sur le plan moral et sociétal, les avancées, entre guillemets, pour faciliter et imposer encore et un peu plus l'avortement, la gestation pour autrui, la poursuite de l'enseignement de la théorie du genre, l'enseignement de la sexualité, y compris ses déviations dès le plus jeune âge, la liberté d'agir de la LGBT au sein de l'éducation nationale, tout cela dans la droite ligne de ce qu'avaient déjà fait et les Sarkozy et Hollande. Tels sont les rappels que je voulais faire avant de revenir au sujet de ma conférence « L'armée française face à la destruction de la nation ». Et vous allez comprendre rapidement pourquoi. Revenons maintenant au général de Villiers et à sa passe d'armes avec Emmanuel Macron. Je cite. « Dans les circonstances actuelles, » c'est le général de Villiers qui dit ça, « je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français, aujourd'hui et demain, et soutenir les ambitions de notre pays. » C'est donc par ces mots que le général de Villiers, chef d'état-major des armées, avait présenté sa démission à Emmanuel Macron le 17 juillet dernier, après la coupe sombre des 850 millions d'euros dans les crédits d'équipement de l'armée. Or, devant l'annonce du nouveau budget dérisoire de l'armée pour 2018, le général de Villiers a estimé devoir sortir le livre au titre « Servir », qui constitue une réponse à l'attitude agressive et méprisante d'Emmanuel Macron envers lui et envers l'armée. Son livre constitue essentiellement un rappel de l'état de délabrement dans lequel les gouvernements successifs de la République ont enfoncé l'armée depuis des années et un plaidoyer pour que le pouvoir en prenne conscience. Quelle naïveté ! L'objectif d'aujourd'hui, réclame-t-il, c'est un budget de 50 milliards d'euros courants hors opérations extérieures, hors pensions. Pour ma part, je trace une ligne droite qui fait passer le budget de 32,8 milliards en 2017 à 50 milliards d'euros en 2025. C'est environ 2 milliards de plus par an. Si cette courbe cohérente n'était pas tenue, on se présenterait en 2022 avec la nécessité d'une érection brutale pour y arriver en 2025. Vraiment un langage de militaire, ça. C'est évident, car le budget octroyé par le pouvoir apparaît comme une aumône devant les besoins de l'armée en renouvellement de matériel constamment rafistolé. D'où le cri d'alarme du général de Villiers, je cite, « On ne fait pas la guerre sans équipement, sans munitions, sans logistique, sans personnel instruit, formé et entraîné. Mon rôle est de rappeler
qu'une telle ambition nécessite des moyens. Le président a tranché, moins 850 millions d'euros pour 2017 et 34 milliards pour le budget 2018. Ce ne sont pas les chiffres que je souhaitais. Comme le disait le maître menteur Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et je redirai ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la réaction du général de Villiers, il y a la réaction de quelqu'un qui a été cocufié. Et il poursuivait, « J'ai beau être rond et diplomate, j'estime que lorsque l'on fait des annonces, on doit s'y tenir. Je trouve que c'est là une phrase bien gentille. Je fais là une référence évidemment implicite aux promesses non tenues du coquelet Macron, mais ce n'est pas assez clair pour dénoncer la duplicité de cet individu. C'est trop enveloppé, trop diplomate, et ce n'est pas cela qui peut prédisposer les lecteurs de son livre à l'indignation. Il poursuit. Je suis un esprit simple et c'est peut-être pour cette raison que je crois avoir été apprécié. La suppression de 850 millions d'euros à budget tenu m'a inspiré des doutes sur la suite. J'ai entendu que cette coupe ne perturberait pas la vie quotidienne du soldat. Cette vie quotidienne, ce n'est pas seulement l'alimentation, chauffage des bâtiments et le courrier qui arrive à l'heure. C'est aussi et même surtout que la mission puisse être conduite. Pour le soldat, cela veut dire qu'il est instruit, entraîné, que ses équipements sont bons, avec l'entretien nécessaire, les pièces de rechange, les munitions. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire ce mot-là ? L'entretien nécessaire, les pièces de rechange, les munitions. Ça veut dire que l'armée française, aujourd'hui, ne les a pas. Vous vous rendez compte? Et il poursuit. Cela signifie également qu'il soit soigné le mieux possible dans les meilleurs délais. Et quand 850 millions d'euros sont supprimés, ce sont autant de ces éléments indispensables dont l'achat est reporté à plus tard. Nos avions ravitailleurs volaient déjà il y a 50 ans. Les blindés ont plus de 30 ans de moyenne d'âge. 60% des véhicules envoyés en opération extérieure n'étaient pas blindés au jour de mon départ. C'est là une accusation au pouvoir politique d'avoir envoyé nos soldats l'opération sans les nécessaires protections, les mettant ainsi en danger de mort accru. Il est évident que l'on ne peut que soutenir la démarche du général de Villiers sur ce plan. Par contre, sa dénonciation du manque de moyens en matériel cache quelque chose de beaucoup plus grave, non seulement pour l'armée, mais pour la nation. Le général de Villiers semble ne pas avoir perçu la volonté de destruction par le pouvoir au travers de ses gouvernements successifs par soumission au projet de gouvernance mondiale. Or, quelle doit être la mission de l'armée, sinon d'être la garante de la pérennité de la nation? Et là, nous ne pouvons plus le suivre. Je parle du général de Villiers. Car à quoi bon des équipements militaires si c'est pour répondre à des engagements qui non seulement ne concernent pas nos intérêts,
mais servent au plan mondialiste américano-sioniste contre les pays qui s'y opposent. Telle est la responsabilité de la haute hiérarchie de l'armée et donc du général de Villiers. Ils ne réagissent qu'aux réductions de matériel et d'effectifs. Mais ils ne voient pas ou ne veulent pas voir la politique de destruction de la nation au travers de celle de la nation, de l'armée. Et pour preuve, le commentaire du journal Le Monde sur les déclarations du général de Villiers, se réjouissant de sa stricte conception du devoir de réserve. C'est là le féliciter de n'avoir pas mis en lumière ce qui se cache derrière la politique d'Emmanuel Macron, qui amplifie encore les méfaits de ses prédécesseurs. En outre, le prétendu devoir de réserve est une vaste supercherie, car il n'existe dans aucun manuel d'instruction militaire de l'armée la moindre référence à ce devoir de réserve. Il n'a été que insidieusement instillé dans l'esprit des militaires pour les domestiquer. Donc, fallacieux devoir de réserve, par ailleurs bien pratique pour exonérer le commandement militaire de toute réaction face à la politique de destruction de la nation par les gouvernements inféodés aux intérêts mondialistes. Les lobbies qui dirigent notre pays en sous-main n'aiment pas l'armée, car ils la craignent toujours, pour ce qu'elle représente en tant que, en principe, gardienne de la pérennité de la nation. Or, cette défense ne passe pas par notre participation aux opérations imposées par les États-Unis, eux-mêmes soumis au plan mondialiste messianique. Et je vais revenir sur une chose que j'ai déjà dite, et en tout cas imprimée, dans la politique, le discours d'Emmanuel Macron lors de la semaine des ambassadeurs du 29 au 31 août 2017. C'était du même calibre, de la même tonalité que le discours que je cite régulièrement de Nicolas Sarkozy, du 16 janvier 2009, qu'il faut toujours rappeler du fait de sa signification. Voilà ce qu'il disait. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Et Macron à ce suite déclarait pour s'en réjouir, il n'y a plus de souveraineté populaire, ni en France, ni en Europe, donc pas de démocratie nationale, plus d'intérêt collectif de la République. Qu'est-ce que cela veut dire ? Sinon que pour lui, Emmanuel Macron, membre de la maçonnerie, complice de la démarche mondialiste, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de nation française, ni ailleurs en Europe, d'autres nations. Voilà ce que cela veut dire. Et décrivant leur nouvelle mission aux ambassadeurs, il leur enjoignait, je cite, qu'ils ne devraient plus défendre les valeurs de leur pays, mais trouver des opportunités d'agir au nom du Léviathan européen. J'ai déjà cité, je crois, lors d'une de mes dernières conférences, ce texte, et je continuerai à citer, parce que, telle la fameuse déclaration de Sarkozy, elle démontre parfaitement ce que sont ces gens. Donc, plus de nations, mais l'Europe, sorte de copie des États-Unis, en attendant l'étape suivante du Léviathan mondialiste. Et c'est exactement ce que nombre de responsables maçonniques annonçaient et annoncent toujours,
reprenant le vieux rêve de la République universelle des conjurés de la Révolution française, dite française. Et je voudrais là encore rappeler certains textes, parce que ce sont des textes qu'il faut quasiment connaître par cœur, surtout quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas nécessairement convaincus encore et auxquels il faut enfoncer ces textes pour qu'ils comprennent à quoi, d'où dérivent les problèmes qu'ils rencontrent. Alors, entre autres textes, le texte de l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, Guy Piot, qui disait « La recherche d'une communauté européenne puis universelle entre évidemment dans le champ de nos réflexions et nos actions. Les francs-maçons du Grand Orient ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations. Ceux de la Grande Loge de France tiennent le même langage. La construction européenne n'est pour les maçons que le précurseur d'un espace universel, d'une terre patrie. » C'est dans Point de vue initiatique de 1989, numéro 71. De même, Richard Dupuis, autre grand maître de la Grande Loge de France, confirmé dans Europe Parlement, l'entreprise maçonnique en cours, « Nous travaillons à l'avènement d'une république universelle et cette république passe par l'Europe. » Voilà, et tel était le personnage que le marin Serge de Beketsch, cher à certains nationaux, qualifié de son grand ami. Cherchez l'erreur, et si vous ne comprenez pas pourquoi nos milieux sont aussi aveugles sur ce qui nous arrive, voilà l'explication. C'est pas moi qui l'invente, c'était dans Minute numéro 1207, du 25 au 31 mars 1985. Alors, j'espère que vous comprenez la nécessité de rappeler ces textes quelque peu anciens, car ils décrivent le complot que, comme vous le savez, n'existe pas. Aussi est-il révoltant d'entendre le général de Villiers se féliciter d'avoir commandé en Serbie et au Kosovo, au service de l'impérialisme américano-sioniste dans ce but. Est-il à ce point aveugle, ignorant de quoi il a servi? Ignore-t-il qu'il a participé, entre autres, dans cette campagne, à l'installation d'un Kosovo islamique au sein de l'Europe, en soustrayant cette province serbe à sa mère patrie, à l'installation d'un fructueux trafic de drogue entre le Kosovo et l'Afghanistan libéré par les États-Unis et ses alliés de l'OTAN, dont la France, à l'installation d'un trafic d'organes prélevés sur des prisonniers serbes au profit de cliniques israéliennes spécialisées pour de riches clients, cela couvert par la CAFOR onusienne et l'armée française, sous la coupe d'un certain Bernard Kouchner, protégeant le chef terroriste Hassim Thaçi, devenu premier ministre du Kosovo. Est-ce que vous comprenez pourquoi, si je comprends et j'appuie, et nous pouvons appuyer les remontrances du général de Villiers sur le manque de matériel, par contre, il manque un volet encore plus important dans sa plainte, c'est toute cette politique qui nous détruit et auquel il a participé et dont il se vante. Et rappelez-vous qui a été à l'origine de la guerre contre la Serbie, sinon le clan Clinton-Albright, Albright-Madeleine pour les intimes,
née Corbel, qui était une juive d'origine tchèque. Et vous allez voir comment, en fait, ce dont se réjouissait et se vantait le général de Villiers a été récompensé. Puisque le 11 mai 2015, le général de Villiers recevait à Matignon, en présence de Manuel Valls, une hanouka, c'est-à-dire un chandelier, non pas à 7 branches, mais à 9 branches, à la symbolique kabbaliste encore plus avancée. L'ignorait-il ? C'était en tout cas le remerciement symbolique au général de Villiers de la conférence des rabbins européens, un groupe intercommunautaire particulièrement engagé en faveur d'Israël. Il le remercie aussi pour son rôle de protection des seuls lieux de culte et écoles juives par la force Sentinelle au lendemain des étranges attentats de janvier 2015. Ce n'étaient pas nos églises et nos écoles qui étaient protégées. Rappelons qu'à l'époque, l'armée et la police avaient été accusées de passivité devant le Bataclan, lors de l'attaque du 13 novembre 2015, faute d'ordre du franc-maçon Bernard Cazeneuve, à l'époque ministre de l'Intérieur. Et voilà qui nous rappelle au fallacieux devoir de réserve. Faut-il que les militaires et ou des policiers, témoins de massacres, attendre des ordres du ministère concerné avant de réagir. N'est-ce pas là la raison des démissions, voire des suicides de militaires engagés dans l'opération Sentinelle ? D'où la question. Le pouvoir politique voulait-il qu'il y ait le plus grand nombre possible de victimes pour faire passer leur prétendue loi sécuritaire qui n'ont rien changé, car la cause et les auteurs ne sont pas là où on nous les indique. Alors, à quoi sert en réalité l'armée française ? N'est-elle plus, avec le consentement de ses chefs militaires, que mercenaire d'intérêts étrangers ? Contraire et hostile aux nôtres ? Le drame pour notre pays est que nos chefs militaires, tel le général de Villiers, qui ne veut voir que l'aspect matériel de l'armée, se persuade, et sans doute voudrait-il nous persuader, qu'en servant la République, il serve encore la France. Et n'est-ce pas cette constatation qui explique aussi que des militaires, après toutes ces opérations, aux ordres des États-Unis, démissionnent ou se suicident par écœurement des missions qui leur sont imposées, telle la garde des seules institutions juives. Cela ne démontre-t-il pas qu'ils n'ont pas trouvé dans l'armée l'accomplissement à leur dévouement à leur nation? Dans l'introduction de mon livre « L'armée française face à la destruction de la nation », je posais et je me posais la question «
Qu'est-ce qui fait qu'un jeune homme choisisse le métier des armes? L'amour de la patrie, le désir de la servir, de prolonger une tradition familiale, de militaire, le goût de l'aventure, le prestige de l'uniforme, la recherche d'une position stable, comme dans les autres corps constitués. C'est la question que je me pose depuis des années devant la passivité de l'armée dans son ensemble, face à la destruction de la nation poursuivie sans relâche depuis 1789. Qu'est-ce qui les fait obéir au pouvoir républicain qui décide des guerres sans même demander l'aval des électeurs avant de les envoyer au massacre? Certes, on pourrait me répondre que les rois aussi décidaient des guerres sans demander l'avis de quiconque. Erreur profonde. Car ne serait-ce qu'en France, le pouvoir du roi était tempéré, restreint, par l'aval nécessaire des parlements qui, en outre, devaient voter les dépenses. Par contre, en régime dit démocratique, pour un gouvernement qui décide d'une guerre, la moindre des choses, pour correspondre à sa fable du pouvoir du peuple, serait de le consulter. Or, il n'en est rien. Tous les grands conflits des deux guerres mondiales, les guerres contre l'Afghanistan, l'Irak, celles contre la Serbie, la Syrie, la Libye, entre autres, ont été décidés par le pouvoir. C'est vrai pour les États-Unis comme pour la France, l'Angleterre, tous ceux qui y ont participé, sans la moindre consultation des représentants du peuple, pourtant bien dociles. Difficile donc dans ces conditions de croire au système démocratique, ne serait-ce que par le mépris évident du pouvoir envers les électeurs dont il émane soi-disant, selon les sophismes de 1789. Autre question que je me pose constamment devant la passivité des militaires, comment se fait-il que des hommes incontestablement courageux sur les terrains d'opération soient si peureux, lâches, face au pouvoir politique? Peur pour leur avancement, pour leur carrière? Étrange perte de courage, quand même. Que penser encore de certaines réactions telles celles du général Piquemal à propos de la jungle de Calais, qui, au seul froncement d'Emmanuel Valls, s'est empressé immédiatement de faire acte de principe républicain? Et il n'est pas le seul, malheureusement. Et en outre, ces militaires ne réagissent, s'ils réagissent, qu'une fois à la retraite. Le général Piquemal a pourtant commandé la Légion étrangère. Ce n'est pas un rassemblement d'enfants de cœur, que je sache. Alors qu'est-ce que c'est que ces grands chefs militaires qui baissent leur froc comme cela face au pouvoir? Donc, c'est une des questions que je me pose face à ces comportements d'officiers de tout grade, et notamment catholiques, qui restent muets non seulement devant leur utilisation dans des conflits
qui ne nous concernent non seulement pas, mais qui sont contraires à nos intérêts, mais qui surtout ne réagissent pas face à la destruction morale de la société, de l'avortement au mariage gay, ce que je signalais tout à l'heure, à toutes ces lois destructrices de la société que j'ai citées plus haut. À quoi cela sert-il à la nation, qu'ils soient catholiques, s'ils acceptent sans broncher tout ce qui est contraire à ce que leur commande leur religion? Et quel rôle joue leur directeur de conscience qui, pour obtenir du pouvoir la libération des dons, legs et autres héritages, n'ont pas hésité à faire voter Sarkozy? On en a un exemple flagrant avec le général Benoît Pugat, paroissien de Saint-Nicolas du Chardonnay, qui, après avoir été sans état d'âme, chef d'état-major particulier de l'Élysée sous Sarkozy puis Hollande, jouit maintenant d'une retraite dorée comme grand chancelier de la Légion d'honneur. Visiblement, il a bien mérité de la République. Je repose donc la question. À quoi nous servent des généraux catholiques, qui plus est, pour certains, traditionnalistes, si c'est pour qu'ils acceptent tout du pouvoir politique? Quelle est leur différence avec leurs collègues francs-maçons? Au point de vue résultat, il n'y en a pas. Ainsi, aux différentes époques de notre histoire, l'armée aura regardé et regarde passer l'histoire, indifférente ou complice, par manque de courage politique. Si jamais il devait y avoir un coup d'État militaire en France, il ne pourrait qu'être le fait de jeunes officiers en rupture avec leur hiérarchie. Non seulement truffés de francs-maçons, mais aussi de catholiques tout aussi carriéristes. Je voudrais encore souligner que de l'affaire Dreyfus à l'assassinat de Félix Faure, aux affaires des fiches, des inventaires, de la loi de séparation de l'Église et de l'État, jusqu'à l'échec de Vichy, la libération et purgation et les combats de l'Algérie française, les morts étranges ont toutes été du côté de ceux qui ont tenté de réagir parce qu'ils n'ont pas su répondre durement en liquidant l'ennemi. Cela doit changer. Ce n'est pas avec l'angélisme inculqué par une fausse compréhension de l'Évangile que l'on relèvera notre pays, mais par la détermination qu'ont eue nos grands rois, y compris parfois contre les compromissions de l'Église. Un ennemi que l'on n'écrase pas repart de plus belle et fait tout pour éliminer physiquement le danger qu'il a frôlé. La terreur de 1793 et la libération et épuration gaulo-communiste de 1944-45 en sont les pires exemples. Voilà pourquoi nous n'avons que faire de beaux discours qui ne sont que des excuses, une couverture à l'aplatissement de la haute hiérarchie de l'armée devant le pouvoir politique antinational. Au terme
de cette étude, j'aurai certainement blessé certains militaires qui m'auront lu ou écouté. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur, mais parce que les circonstances l'imposent, dans l'espoir de réveiller en ceux qui portent les armes la conscience de leur responsabilité en défense de la pérennité de notre nation. Aujourd'hui, comme hier, la constatation des abusés d'André Chénier, qui fut guillotiné par la révolution en laquelle il avait cru un temps, prend toute sa signification et en appelle aux responsabilités. Je cite. La peur, qui est un des premiers mobiles de toute chose humaine, joue un grand rôle. Elle prend le nom de prudence. Elle reste muette, tergiverse, ne dit la vérité qu'à moitié et seconde par cette mollesse les entreprises d'un petit nombre d'audacieux qui s'embarrassent peu que les gens de bien les estiment ou les approuvent, pourvu qu'ils se taisent et laissent faire. Pourvu qu'ils se taisent et laissent faire. N'est-ce pas la parfaite description de ce que nous vivons aujourd'hui, par toutes les structures responsables, civiles, militaires et religieuses? Alors, pour comprendre, sans l'excuser, cette passivité de l'armée, en tout cas dans ses hauts grades, il faut rappeler que le pouvoir judéo-maçonnique s'est de tout temps efforcé, de génération en génération, d'en éliminer et épurer les éléments les plus réactionnaires. D'où l'affaire des fiches, entre autres. Mais sans qu'il y ait d'affaire des fiches, c'est ce qui est constamment fait de jour en jour par le pouvoir, repérer quels sont les cadres, les militaires qui pourraient être dangereux. Ainsi ne subsistent que ceux qui sont acquis à l'idéologie de 1789, aux dites valeurs de la République, ou des catholiques que le pouvoir sait parfaitement qu'ils ne bougeront jamais. C'est pour ça, seule l'insurrection de jeunes cadres de l'armée, avec l'aide de militants politiques nationalistes, pourra modifier la donne et redonner la possibilité de relever la France, comme ce fut le cas en Espagne. Quelle meilleure définition du rôle de la mission à laquelle l'armée doit se dévouer que celle de José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Falange, qui rappelait à l'armée espagnole, devant la destruction de l'Espagne par l'anarcho-marxisme et la maçonnerie au pouvoir, je cite, « Si elle s'abstient, l'armée, par une interprétation purement externe de son devoir, elle s'expose à se trouver sans plus rien avoir à servir. » Devant les effondrements décisifs, l'armée ne peut servir le permanent que d'une manière, en le recouvrant de ses propres armes. Cet appel et d'autres de José Antonio Primo de Rivera finira par toucher une partie de l'armée espagnole et décidera le général Franco, en garnison au Maroc espagnol, à franchir le Rubicon, ou si vous préférez le détroit de Gibraltar, et de rentrer en métropole à la tête de ses troupes. Les républicains, d'ailleurs, allaient très vite comprendre le danger d'un José Antonio Primo de Rivera, puisqu'ils s'empressèrent de l'assassiner. Grande Espagne, par ses origines, José Antonio Primo de Rivera aura montré par sa lucidité et son courage le rôle que doit jouer la véritable aristocratie, qui n'a été créée que pour le service du royaume,
de la nation, en Espagne comme en France ou ailleurs. C'est là une leçon pour l'aristocratie d'aujourd'hui, dont tant de représentants civils ou militaires oublient les raisons de sa création, je parle de l'aristocratie, et donc de leur mission, et se mettent au sort de la République des lobbies, trahissant ainsi ce qu'ils sont censés défendre. Pour terminer, je voudrais dire ceci. À la suite de mon livre, je dédie cette conférence à tous les jeunes militaires qui s'engagent aujourd'hui dans l'idéal qu'ils ont choisi, afin que, contrairement à leurs aînés, ils comprennent la véritable finalité de la mission de l'armée, la défense intransigeante de la pérennité de la nation, non seulement aux frontières, mais surtout aujourd'hui, face aux forces destructrices qui la menacent de l'intérieur. Mourir au service de son pays est grand et noble. Mourir au service d'intérêts étrangers n'est que servitude honteuse. Merci de votre attention. C'est bon, Liban ? C'est bon. Je vous écoute. Bien silencieux. Qu'est-ce qui vous arrive ? Monsieur Poincaré. Oui, attendez. Oui, bon, bah, d'accord. Est-ce qu'il y a des écrits de Primo de Rivera ? Bien sûr qu'il y en a. Conseillés. Mais bien entendu. Lesquels ? Mais Textos de Doctrina Politica. Je lisais. C'est. Et j'ai cité de très longs passages dans mon livre, Le nationalisme français. Parlez plus fort, parce que souvent nos auditeurs trouvent que les questions sont quasiment inaudibles. Savez-vous que dans l'armée française, ils ont des problèmes à recruter, et que dans l'armée américaine, maintenant, ils sont obligés de faire appel à des gens qui avaient été refusés pour des problèmes psychiatriques. Oui, tout à fait, je sais. Alors, bon, mais pourquoi justement ont-ils des problèmes à recruter ? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure lors de ma conférence ? C'est que les jeunes ne trouvent plus dans le comportement de l'armée leur épanouissement au service de la nation. Ils se rendent compte qu'ils ne sont que des mercenaires, et ça, ils n'en veulent pas. Alors, votre rappel sur l'armée américaine qui fait appel à d'anciens perturbés, psychiatriques, etc. Je voudrais faire un rappel historique. À qui ont fait appel les États-Unis lors de la dernière guerre mondiale pour déstabiliser l'Italie de Mussolini ? Ils ont fait appel à Lucky Luciano, le chef de la mafia italienne, qui était en prison aux États-Unis. Donc vous voyez, l'appel aux crapules de la part des Américains, c'est habituel. Et au Maroc, au moment du débarquement américain. Mais bien entendu. C'était les prisonniers Tsing Tsing. Tout à fait. Alors là, je n'ai pas de document là-dessus. J'en avais entendu parler, mais quand je n'ai pas un document, je n'en parle pas. Non, mais c'est connu, c'est classique. C'est classique. Alors étonnez-vous après ça que les armées de libération, il y a eu autant de viols et de massacres auprès des populations allemandes, jeunes femmes allemandes et françaises. Nous sommes gouvernés par des gangsters. Parce que l'Amérique, c'est quoi, à l'origine ? Une population de gangsters, rejetée par l'Angleterre. Bon, d'autres questions ? Quoi, j'ai été tellement précis dans tout qu'il n'y a pas matière à questions ? Bon, je vais essayer d'être beaucoup plus vague la prochaine fois. Quelle est votre opinion exacte sur le général de Villiers ? Est-ce qu'il est ignorant ou est-ce qu'il est compromis ou corrompu ? Vous avez entendu ce que j'ai dit dans ma conférence, je trouve ça étrange. Corrompu, je ne crois pas. Prudent, certainement.
Mais alors à quoi sert-il? À un moment donné, il faut sauter le pas. Sinon, à quoi sert-on? Alors, il se réfugie derrière une bataille de chiffres, équipements, qui en soi, c'est absolument scandaleux. Il n'est pas normal que leurs militaires partent avec des véhicules soi-disant blindés qui ne le soient pas. Non, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Ou sans munitions, puisque c'est ce qu'il dit aussi dans sa déclaration. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir politique qui envoie nos soldats à la mort? Alors, en est-il conscient? À la limite, ses intentions, ce n'est pas à moi, à nous de juger. Non, ce sera entre eux et leur créateur. Nous, ce que nous avons à analyser, ce sont les positions, les conséquences. Les conséquences sont catastrophiques pour l'avenir de la nation. Et c'est pour ça que je me rends compte que je suis parfaitement dur. Parce que j'espère qu'avec ces duretés, j'arriverai peut-être à réveiller certains. Mais là, encore une fois, je répète, à quoi ça servirait d'avoir des équipements plus sophistiqués possible si c'est pour faire la guerre de ceux qui veulent notre mort? Il y a un problème. Alors moi, j'ai deux questions plus liées à l'actualité. Qu'est-ce que vous Parlez plus pensez du fort. fait que Valls est comme ça mis en avant depuis quelques semaines? Est-ce que vous pensez Ah, qu'il mais voyons, mais va on prépare son retour, un de ces quatre. Il va revenir? Vous avez vu que le Conseil d'État Oui. a estimé que son élection était parfaitement valable, de même curieux, Les enfants du pouvoir. qu'on a passé sous silence son tout récent voyage en Israël, à la gloire d'Israël, bien entendu. Donc voilà, on est en train de nous préparer une relève éventuelle à Macron. Parce que Macron, ça va n'avoir qu'un temps. Il peut cocoricoter tout ce qu'il veut, il ne va pas régler les problèmes économiques de la France, ça c'est certain. Ah, c'est certain. C'est de la poudre aux yeux. Peut-être que certaines grandes entreprises mondialisées s'en tireront, j'en suis même pas sûr. Mais la base de la nation française va souffrir et souffrir de plus en plus. Et la deuxième question, d'où Parlez peut plus venir fort. l'opposition à Macron? Comment? D'où peut venir une opposition à Macron? Puisque le FN, c'est mort, à mon avis, c'est fini. Wauquiez, moi, je n'y crois pas du tout, c'est Sarkozy, en fait, derrière. Mélenchon, il est sous surveillance. Alors, justement, il y a une démarche actuelle qui me semble pleine de signification. Puisqu'apparemment, vous suivez les médias, tout au moins vous êtes à l'écoute, comme on dit. Vous avez pu constater la guerre sourde qui est faite contre Laurent Wauquiez. Je n'ai pas une admiration ni une confiance particulière en Laurent Wauquiez. Je constate simplement deux choses. Premièrement, comme Fillon, il est catholique. Et deuxièmement, on trouve les mêmes qui ont agi contre Fillon, contre lui. Donc l'équation est la même. Ceux qui nous gouvernent, le système qui est derrière, judéo-maçonnique, en aucun cas d'un catholique, même moderniste. Ils ne sont pas dans le cadre. Donc, je ne sais pas jusqu'où ira Laurent Wauquiez, mais c'est tout de même incroyable de voir toutes les déclarations mais hostiles du centre. Je voyais encore la déclaration de cette espèce d'ignoble personnage de Lagarde, le centriste. Tous, ils y vont. C'est la curée. C'est la curée contre Wauquiez, comme ça l'a été contre Fillon. C'est exactement la même chose. Bon, pour nous, nationalistes, ce n'est pas la panacée universelle, c'est évident. Mais il ne faut pas rêver du jour au lendemain que l'on va avoir un coup d'État nationaliste. Et dans mon approche, certains crétins n'ont toujours pas compris, c'est que quand je recommandais de voter Fillon dès le premier tour, c'était que je savais mathématiquement que les idiots qui rêvaient d'une Marine Le Pen au pouvoir en votant pour elle au premier tour allaient nous amener Macron. C'est aussi simple que ça.
Le problème, c'est que la bêtise humaine est ce qui donne le mieux la notion d'infini. Noémie, plus haut, s'il vous plaît. Parce qu'ici, on n'entend pas. Hein. Dans l'éventualité d'un coup d'État militaire, ce qui semble peu probable, même si toutefois ça arrivait, est-ce que ce ne serait pas de toute façon voué à l'échec? Est-ce qu'on ne pourrait pas craindre une intervention de l'OTAN? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça dépendrait comment se ferait ce coup d'État, le coup d'État, les militaires qui le dirigeraient, affichaient dès le départ leur volonté de tout bouleverser. Là aussi, c'est une question de savoir avancer prudemment, ne pas tout vouloir d'un seul coup. Exemple, Poutine. Quand Poutine commence à réagir progressivement, une fois que Helsinki lui passe les rênes du pouvoir, il ne fait pas tout d'un seul coup. Par exemple, avec les oligarques, il ne les attaque pas tous en même temps. Comme j'ai souvent dit dans différentes interventions, il saucissonne les problèmes. Eh bien, si jamais il devait y avoir un coup d'État militaire, et si je pouvais être le conseiller des auteurs de ce coup d'État, je leur dirais d'aller très progressivement, de ne pas afficher les cartes d'un seul coup. Parce que là, à ce moment-là, on risquerait effectivement une réaction de l'OTAN, des Américains bien entendu, de l'OTAN. On les présenterait comme un putsch militaire, comme ce qui s'est passé à l'époque en Grèce, en Argentine, etc. Putsch militaire, fasciste, etc., etc. Bon, de toute façon, si on veut sauver notre pays, il faudra bien qu'il se passe quelque chose. Par l'armée ou par je ne sais plus quelle structure, je n'en sais rien, il faut qu'il se passe quelque chose. Tout. Mais vous ne trouvez pas que l'armée française, quand on la regarde, on dirait une équipe de foot. Non, mais combien il y a de Français dessous, dedans? C'est quand même un peu inquiétant. Mais ça, fait partie des méthodes du pouvoir, justement. Ils entrelardent, ben oui, si j'ose m'exprimer ainsi, ils entrelardent l'armée française de gens, et je pourrais dire que je les comprends. Quand vous mettez des musulmans qui, quand il y a un match de football, brandissent le drapeau algérien ou marocain ou je ne sais pas quoi, ben, ils se sentent, c'est leur sentiment d'appartenance, et je les comprends. Ce que je ne comprends pas, mais au contraire, je comprends trop bien quelle est la volonté qu'il y a derrière, c'est qu'ils espèrent justement neutraliser l'armée par ce fait que l'armée française n'est plus homogène racialement. Je ne peux pas paraître, je veux pas être un raciste, je ne suis pas raciste. Mais j'analyse les raisons de nos ennemis pour procéder de cette forme, de cette façon-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émeute qu'il y a eu à bord du... C'était Clémenceau, le porte-avions. Clémenceau. Ça a été plus ou moins étouffé. Mais je sais très bien, parce que je connaissais très bien à l'époque des grands, grands amiraux de la flotte française, qui m'a raconté la chose. Ils avaient chambré plusieurs officiers, et il a fallu faire intervenir la police... militaire de la marine pour les déloger. Ça a été parfaitement passé sous silence, ce truc-là. Or, des choses comme ça, imaginez que, je sais pas, moi, à mon avis, ça n'aura jamais lieu, mais ça pourrait être un cas de figure quand même, qu'on rentre en guerre avec l'Algérie. Comment croyez-vous que tous ces militaires d'origine algérienne vont se comporter dans l'armée française? Ben, ils vont se comporter en fonction de leur sentiment d'appartenance. Et je les comprends. Ce n'est pas à eux que je lance la paire. C'est au pouvoir politique qui les aura intégrés dans notre armée. Ben, on est bien d'accord. On ne mélange pas l'eau et l'huile. Ça n'a rien de péjoratif dans ce que je dis. C'est une constatation, c'est tout. Autre question ?
Oui. Par rapport à Donald Trump, qu'on annonce le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, votre réaction? Quoi, vous attendez que je dise ce que j'approuve, c'est ça? Non, non, je veux dire, il avait déjà annoncé, je crois. Il avait déjà dit. Il l'avait déjà annoncé, c'est évident. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, je viens de voir, c'était hier soir ou ce matin en épluchant les derniers mails que je reçois, parce que je croule sur le nombre de mails qu'on m'envoie avec des pièces jointes, etc. Et il y a une qui a retenu mon attention. C'est qu'on commence à vous dire que de toute façon, le transfert n'aurait pas lieu avant 2 ans. Il faut dire qu'il y a une réaction unanime internationale contre cette décision. Et alors, je voudrais revenir à une chose dont on a parlé ce matin, sur le même sujet, et je rappelais à notre ami ici que c'était pendant la campagne électorale pour les présidentielles américaines, où on commençait à voir les sondages devenir de plus en plus favorables à Trump. Et je me rappelle, vous y étiez, il y avait notre amie Diane, qui pour des raisons professionnelles n'est plus là malheureusement, qui, l'un ou l'autre, je ne me rappelle plus, m'avait posé la question, que pensez-vous de Trump? Et j'avais répondu à l'époque, alors que tout le monde dans nos milieux disait Trump, 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 Trump. Je dis, ce personnage-là, je ne le sens pas, il y aura des cocus. Alors, pour répondre à votre question plus directement, quel a été le grand Manitou de la campagne électorale de Trump? Sinon, son beau-fils, Jared Kushner. Pas besoin de faire un dessin. Quel est le problème de Trump aujourd'hui? C'est que la partie gauchiste, clintonienne et compagnie voudrait le renverser. D'où le impeachment, son empêchement qu'il souhaiterait obtenir. Trump est un homme d'affaires. Est-ce que vous vous souvenez de ce rappel que j'avais fait dans une de mes conférences à propos de ce qui était arrivé à Henry Ford Ier? Henry Ford Ier, qui donc c'était au début du XXe siècle, avait réagi, il avait lu les protocoles des sages de Sion, et il avait fait quasiment un copier-coller dans un livre en anglais qui s'appelait The International Jew, le juif international. Et donc, il était conscient du danger juif pour les États-Unis à l'époque. Et que s'est-il passé? Il a eu insurrection, sabotage, grève, coup sur coup dans ses usines, jusqu'au moment où il a capitulé. Trump est un homme d'affaires. Si jamais le monde juif, qui tient l'économie américaine entre les mains, décide des affaires de Trump, papa? Donc voilà. Bon, alors en plus de ça, le personnage Trump avec sa curieuse coiffure, ne venez pas me dire que je suis jaloux, mais quand même, quand même. Non, voilà. Mais c'est ça la politique internationale. Voilà quels sont les gens qui nous gouvernent. Vous vous rendez compte de la hauteur? C'est ça. Il faut en être conscient et c'est ça qu'il faut expliquer autour de nous. Alors, finalement, est-ce que cette ambassade sera transférée? Je n'en sais rien. Peut-être qu'elle ne le sera pas parce que d'ici 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et alors, une chose magnifique que j'ai vue encore ce matin dans mes messages, c'est que les Palestiniens ont déclaré qu'ils s'ouvraient complètement à la Russie. Donc, il y a le petit père Poutine qui doit être en train de se frotter les mains. Et deux choses que j'ai rappelées dans notre entretien ce matin aussi, c'est que deux faits importants, tout récents. Le premier, la déclaration d'Hamid Karzai, qui était le président de l'Afghanistan, allié des États-Unis, qui vient de déclarer que l'État islamique était l'agent des États-Unis.
On le sait, nous. Tout de même intéressant qu'un ancien allié des États-Unis déclare ça. Et l'autre chose, encore plus importante, parce que c'est du vrai, c'est du pratique, c'est du solide, l'Égypte qui a passé des accords avec la Russie, comme quoi ces bases aériennes pourraient être utilisées par l'aviation russe. Imaginez la tête des Israéliens. Et rappelez-vous ce que j'ai cité tout dernièrement, cette déclaration de la ministre des Affaires étrangères, je crois, israélienne, menaçant Poutine, disant « si Poutine veut survivre, il faut qu'il obéisse à ce que lui dit Israël ». Et après ça, vous aurez un Pierre Hillard qui vous dira que Poutine est juif, qu'il est mondialiste et que c'est un allié d'Israël. Ah bon ? Faites sérieux quand même. Tout au moins, essayez de l'être. Voilà. Bon. Terminé ? Voilà. Oui, allez-y. Ah ! C'est votre chouchou ? Non ! Bon, pour me rassurer. Alors, Dormesson, justement. Je vais me répéter par rapport à ce que j'ai dit ce matin. Il est compatible. Républicano-compatible et cachère-compatible. J'invente rien, vous savez très bien, je n'invente rien. Alors, première chose, dans son discours d'admission à l'Académie française, il avait déclaré, entre autres choses, faisait allusion et révérence à nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. C'est pourtant un rejeton de l'aristocratie, ça, de la noblesse. C'est tout de même très républicain, ça, liberté, égalité, fraternité. Bon. Puis c'est aussi lui qui avait fait l'éloge de Simone Veil, le 18 mars 2010. Et puis, il avait été invité à une conférence des amis du CRIF. Et ce même CRIF qui, tout récemment, dans son hommage après sa mort, écrit « Jean Dormesson aura illuminé nos cœurs et nos esprits. » Ça, c'est un mot. Et puis en 2013, alors je reviens un petit peu plus en arrière, mais tout ça, tout ce que je vous dis, vous pouvez le trouver sur Internet. Ce n'est pas moi qui l'invente. En 2013, donc Jean Dormesson, qui a un très beau château, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé, beau château, hein, avait reçu le prix Scopus. Scopus, c'est quoi ça? Eh bien, c'est une récompense remise par l'Université hébraïque de Jérusalem aux personnalités engagées tout au long de leur vie en faveur du peuple juif et ou de l'État d'Israël. Et qui a participé à l'éloge après sa mort? Entre autres personnes, il y avait un certain pédophile violeur Roman Polanski. Et le discours introductif avait été fait par un certain Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, puis il y a aussi le député Meir Habib, qu'on appelle l'œil de Tel Aviv, qui a lui aussi rendu un hommage ému et vibrant à Jean Dormesson. Donc voilà, et l'observation que je faisais ce matin lors de l'entretien, quand vous voyez les médias pleurer, s'émouvoir, chanter la gloire d'un individu, dites-vous bien que cet individu est tout sauf recommandable. À l'idée, la même chose en 1967. Il avait été hébergé chez Jean-Pierre Pierre,
je vais ici, Jean-Pierre, Pierre. Bloc. Dont la famille envisageait d'aller s'installer en Israël, puis ils ont préféré rester en France parce qu'apparemment c'était plus tranquille. Or, cette nouvelle que là encore j'ai trouvée sur Internet, notre loi nationale de Johnny Hallyday envisageait de partir avec cette famille en Israël et intégrer Tsahal, l'armée israélienne. Alors vous comprenez, Jean d'Ormesson, Johnny Hallyday, ce sont les gloires de la République. Ce que disait tout à l'heure, républicano-compatible et cachère-compatible. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'un ne va pas sans l'autre, évidemment. Mais il n'y a pas de complot. Et depuis longtemps, puisque le père de Jean d'Ormesson était un ami de Léon Blum. Je ne savais pas. Ben, merci de l'information. Vous l'avez trouvé dans Wikipédia, oui. Bah. Non, mais il fait partie, d'Ormesson est visiblement de cette souche d'aristocratie qui a fait la Révolution française, enfin, qui a aidé. Non, mais c'est une pourriture, tout ça. Delphine, vous n'avez pas de questions à poser? Il y a un bruit qui court, disons que ma tronche... Vous parlez plus fort, parce que je vous dis, moi je vous entends parfaitement, il n'y a pas de problème, mais... Un bruit qui court. Bruit qui court, oui. La provenance, point d'interrogation. Que Macron serait un fils biologique de Rothschild. Je dirais, chère madame, que je me suis aussi posé la question. Je n'ai pas de preuve. Mais à la limite, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est son comportement. Qu'il soit fils de Rothschild ou pas. Mais ça aide. Comme vous dites, ça aide. Comme vous dites, ça aide, oui, ça, effectivement. Ça aide et ça expliquerait encore un peu mieux. C'est pas exclu. C'est pas exclu parce qu'il est évident. Il est évident que s'il a été nommé associé, c'était pas le petit employé de banque de la banque Rothschild. Il était associé à la banque Rothschild. Donc, les moyens financiers qu'il a mis dans la banque Rothschild pour pouvoir être associé, on aimerait bien savoir d'où ils viennent. Par rapport à la tournure des événements au Moyen-Orient, pensez-vous que Rachid Erdogan va rester dans l'OTAN ? Ah, c'est une très bonne question. Je pense que logiquement, il devrait en sortir. Et d'ailleurs, il a posé récemment la question au Parlement turc si il ne fallait pas envisager une sortie de l'OTAN. Voilà encore un qui était cocu. Les Américains ont cru améliorer la donne dans la région en imposant Gulen. Erdogan, avec l'aide de Poutine, a pu se mettre à l'abri, a fait une répression remarquable. Il n'a pas fait d'angélisme, lui. Hein, pas comme les nôtres. Régler le problème, enfin, les problèmes ne sont jamais réglés définitivement. Parce que la vie est un éternel combat. Mais pour l'instant, il a gagné. Vous avez entendu l'appel qu'il a fait par rapport au monde musulman, par rapport à la décision... Oui, bien sûr. Non, mais ce Trump est en train de je ne vais pas dire de gros mots, mais de mettre un désordre dans le monde, mais invraisemblable. Nous allons regretter Obama. Il y en a qui disent que c'est un cadeau empoisonné. Hein. Comment ? Il y en a qui disent que Trump a fait un cadeau empoisonné à Israël. Hein. Alors, empoisonné à Israël, en partie oui, par la réaction que ça va susciter, mais il fallait tout de même regarder la mine réjouie de Netanyahou. Alors, le problème, je suis réaliste et pessimiste aussi, parce que je connais trop le monde musulman. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui commence à se passer? Il va y avoir une nouvelle intifada. On va les canarder. Il y a déjà deux morts et dans les 200 et quelques blessés, dernièrement à Jérusalem et ailleurs en Cisjordanie.
le monde occidental ne va pas réagir. On ne va pas couper les vivres à Israël. Et ça va continuer. Indéfiniment. Donc, dans une certaine mesure, je dirais que Netanyahou et les Israéliens en général jouent sur le velours, tant qu'ils ont les Américains derrière eux. Donc, et c'est ce qu'a compris Poutine, que si on veut supprimer l'impact politique des États-Unis, la nocivité politique des États-Unis sur le monde, il faut lui couper sa force économique. Et c'est ce qu'il fait. Le nombre de fois que je rappelais la politique de transactions commerciales hors dollar, tout passe par la mort du dollar. On verra. Mais la politique dans le monde, c'est ça. Action-réaction, action-réaction, action-réaction. C'est au plus fort qui pousse le plus et qui l'emporte. Pour ça que je dis très régulièrement que la volonté est la suprême créatrice de l'histoire. Terminé, terminé ? Il y a une question. Bon, eh bien, si oui. Ah, tiens ! Ma chère, vous vous réveillez. Allez, plus haut. Juste un petit détour sur Mohamed Ben Salman. Sur Ben Salman. Oui. C'est très curieux comme histoire. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de racket. Ça fait plusieurs années qu'il est encouragé par les Israéliens. Ah oui. J'ai l'impression que fondamentalement, c'est un racket. Alors, il est évident que cette monarchie saoudienne, d'ailleurs, il faudra que je fasse un article là-dessus. Une conférence, ce serait peut-être... Il n'y aurait pas assez de matière pour ça, mais je pourrais l'intégrer dans une conférence sur le mondialisme. Les origines de la monarchie saoudienne sont assez curieuses. Non, et puis les influences judaïques, hein, hébraïques si vous préférez. Et donc là, mais en tout cas, c'est une position qui semble être favorable aux États-Unis. Et il faut voir d'ailleurs comment ils sont alliés au Yémen. Or, quel est le problème du Yémen? C'est que les révoltés au Yémen sont des chiites. Avec l'Iran. Mais quand on connaît un tant soit peu les choses, tout s'emboîte. Tout s'emboîte, tout devient logique. Il y a la triade aussi. La quoi? La triade. La triade, c'est la vie. Oui. Oui, bien vu. Ah, tout à fait. Washington, Tel Aviv, et la capitale de l'Arabie Saoudite, Riyad. Et j'ai vu aussi que Jacques Attali le conseille. Jacques Attali. Ah, en tout cas, il doit jouir. Il doit jouir. Le roi d'Arabie Saoudite. Oui, le conseil. Oui, j'ai vu aussi. Mais je pensais à Jérusalem, Attali qui appelait de ses voeux que Jérusalem devienne la capitale du nouvel ordre mondial. Oui. Comme c'est curieux. Il n'y a pas de conspiration. Comme c'est curieux. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de conspiration. Ah, mais non, mais non, mais non. Mais non. D'où le coup de pied dans la termitière que j'ai envoyé à Genève, justement, contre certains dans nos milieux. Bon. Terminé ? Dernière question. Que pensez-vous de la mort de Ali Abdallah Saleh, qui était un petit peu le... La mort de Ali Abdallah Saleh, l'ex-président du Yémen, qui était justement... Eh bien, ça a été la réponse des chiites, justement, à ce président qui avait basculé dans le camp de l'Arabie Saoudite. Ah ben, ils ont vite fait son affaire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais l'angélisme, en politique, c'est la mort. Et c'est ça que je reproche au monde politique en général. Je dirais que le seul catholicisme qui m'intéresse dans l'histoire de France, c'est celui des rois de France jusqu'à Louis XIII avec Richelieu. Philippe le Bel, Louis XI, Richelieu, Louis XIII. Bon, je ne parle pas de Saint-Louis et de Jeanne d'Arc, c'était sur un autre plan.
Mais si on a quelque chose à défendre, c'est pas en faisant de l'angélisme. Point. Oui. Riri. Ah, mais c'est très compliqué comme toutes les histoires libanaises. Il est... L'histoire libanaise est absolument invraisemblable. D'abord, ce sont de multiples clans. Il y a eu une union que, relativement artificielle qui a été faite par le général Aoun, mais il y a d'autres forces qui jouent. Et notamment Hariri, et vous vous rappelez que son père aurait été assassiné par les Syriens. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Attendez, je n'ai pas terminé. C'est comme ça que l'opinion internationale a réussi à faire dégager l'armée syrienne du Liban. Et que s'est-il passé dans les mois qui ont suivi? L'armée israélienne a envahi le Liban. Les Syriens n'y étaient plus. Donc, en fait, le Liban, c'est un terrain d'affrontement. La seule chose qui peut soulever le Liban, à mon avis, c'est le poids du Hezbollah. C'est la seule chose. Hezbollah appuyé avec le général Abiy. Mais Hariri, j'ai aucune confiance en lui. C'est un trafiquant. C'est la derdader ? Voilà. Bon. La séance est levée. La séance est levée et pas merci à Johnny Hallyday.